14e jour dans 7e mois de l'année, ça nous là pour nous capables d'adorer le Seigneur. C'est une grâce et une bénédiction que moi et mon frère, monsieur, nous avons nous campé. Nous avons gardé un seigneur qui dit que c'est pas dans le capable là. La volé, la pleuvé mais en l'air parce que nous l'air privé qui nous voulait, qui nous parlait. Matin, le pasteur dit oh, qui ça qui passe après tes trois pibloches. Il y a un lait qui arrive la noire, il y a un lait qui arrive la blanche, il y a un lait qui arrive la jaune, qui arrive la grise, c'est pas ça. Ce sont nous tous. Donc, c'est quoi que c'est comme ça pour nous continuer, pour nous adorer le Seigneur. Il y a une toute lecture que m'a fait avec nous, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 9, les versets 24 au verset 27. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 24 au verset 27. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure, mais je frappe, non, comme battant de l'air. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Parole du Seigneur. Amen. Pendant ça, nous avons un thème, c'est sur l'intégrité. Nous avons prêché, nous avons deux messages qui étaient dans l'idée moi qui alors que m'ta prié m'ta pas prêché sur l'intégrité dans le service et dans la parabole des talents, mais le Seigneur dirigeait moi pour me prêcher dans texte ce matin. Et petit message que m'ta remet dans quelques minutes partager avec nous, c'est nous joindre, c'est dans le verset 24. Il dit que ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais que seul remporte le prix. Il dit courez de manière à le remporter. Courir pour remporter le prix. Chers frères et sœurs, dans la vie chrétienne n'est jamais présentée comme une vie facile. Au contraire, l'apôtre Paul lit sans cesse. L'on rappelle que la fête à moi-même avant sans cesse que nous avons un objectif, nous avons un plan, nous avons un côté que pour nous aller, mais c'est pendant que nous avons un ennemi. Objectif Bali, pendant que nous avons un objectif pour nous aller côté, ennemi a maintenant un objectif Bali pour nous détourner nous. Il dit que c'est ça fait que nous devons faire sûr que pour nous prendre précaution avec ennemi ça. Et c'est cet ennemi que 1 Pierre, chapitre 5, verset 8. Il dit, soyez qui ça sobre et veillez. Qui ça dit? Satan qui ça? Le diable, notre adversaire. Écoutez, votre adversaire, le diable, rôde comme qui ça? Un lion rugissant, cherchant qui il dévora. Maintenant, si vous ne connaissez pas, vous avez un adversaire. Maintenant, vous devez connaître que vous avez un adversaire. C'est Satan, le diable. Et chaque fois que ouais, moi-même avec ou frère seul, nous pas qu'à vivre bien avec frère, avec soeur qui bon côté, c'est un ennemi qui a fait cela. Et cet ennemi n'est autre que le diable. Parce que notre Dieu, il a créé nous pour nous vivre en fellowship. Il a créé nous pour nous vivre qui ça dans l'amour. Mais Satan, il est venu, on connaît, Satan, job, travail, c'est pour défaire tout ça que bon Dieu fait. Ce passage matin, c'est un grand défi pour tout chrétien. Pour tout chrétien. C'est un grand défi pour tout chrétien. Nous-mêmes qui croyons dans mon Dieu, nous-mêmes qui avons servi mon Dieu. Et dans ce passage, chers et sœurs, nous avons que la vie chrétienne est comparée à une lutte, à une course. Et l'apôtre Paul est très bon dans le bagage. L'apôtre Paul est utilisé en pile image. Pour être capable d'écrire la vie chrétienne, non.
Dans 1 Corinthiens, pour nous marcher. Des fois, il présentait nous la vie chrétienne comme une marche. Des fois, il présentait nous comme une course. Dans 1 Corinthiens, dans Éphésiens chapitre 4, verset 1er, il dit que pour nous aller pour nous marcher, qui ça, d'une manière digne. Dans Éphésiens chapitre 5, verset 2, il dit que pour nous marcher dans l'amour. Et dans le verset 8, il dit que pour nous marcher comme des enfants de lumière. Et ici, dans 1 Corinthiens, chapitre 9, les versets 24 à 27, il prend soin pour comparer la vie chrétienne à une lutte, à une course. Chers frères et sœurs, maintenant, on est venu pour me dire que pas d'aucun chrétien authentique qui est capable d'engager dans la lutte ça. Si que li gen la kaye li sa ke anglais a rele yon flabby attitude et yon attitude de comme s'il s'agit de rien d'était. Par exemple, moun ki kapab engage yon dans lutte sa, chers frères et sœurs, pour se yon moun ki sa n'est pas gens ou vivre alors comme si il s'agit de rien d'était. Yon moun ki m'en foube. Parce que nous gagnons un ennemi à laquelle yon ennemi qui a fait guerre avec nous maintenant. Dans le texte que nous lis maintenant, moi t'aimer pour être capable de rester dans le texte avec moi. Nous ne pouvons pas aller aucune côté dans le texte. Mais t'aimer maintenant, dans le coup ça que moi m'avais pour que nous engagions. Puisque l'apôtre Paul, c'est parce que lui utilisait lui comme un moyen pour lui illustrer la fidélité, pour lui illustrer comment que chrétien nous devons rester dans cette course. T'aimer dans le verset que nous voyons, que nous l'avons maintenant, quelques caractéristiques et comment ou bien comment nous devons engager nous dans tout ça. Soit prendre note. La première manière que moi-même avec vous, nous devons engager nous devons courir, nous devons courir avec un motif qui est supérieur. Nous devons courir avec un motif qui est supérieur. Parce que ce n'est pas une course qui est facile, chers frères et sœurs. C'est une course peut-être que lorsque vous lisez dans Philippiens chapitre 3, on a dans Philippiens chapitre 3, le verset 13. Philippiens chapitre 3, le verset 13. Il dit, frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais ça une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. On a dans verset 12. Il dit que ce n'est pas que j'ai remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection. Qui ça dit, mais qui ça, je cours pour qui ça, pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but, mais pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Donc, frères et sœurs, moi-même avec nous devons courir avec un motif qui est supérieur. Le motif que moi gagnons quelque chose à gagner. Moi gagnons un côté que je voulais vivre. Et entre parenthèses, moi t'avais dit que peut-être ça que nous le matin, il n'y a pas rien pour nous avec le salut. Parce que c'est une épître, c'est une lettre, toute épître, toute lettre, ils ont adressé aux chrétiens. Il n'y a rien pour louer avec salut, mais il y a pour louer avec récompense. Est-ce que nous l'avons hein? Nous avons pour louer avec récompense. Donc, c'est ça que dans ce message-là, nous allons présenter quelques types de couronnes. Il n'y a rien pour louer avec salut. Donc, ça, c'est le monde qui a donné salut. Là. Donc, ça c'est mon directeur de salut, hein? Mais pour y avoir une récompense qui accompagne de ce salut. Madame Pasteur a toujours dit ça, et c'est un exemple que je toujours prends. Il dit que lors de l'école, on est capable de dire que bon, depuis que je passe la classe, je passe. Depuis que je suis en moyenne, que je passe. Mais il dit que, ou même qui voulait graduer avec honneur, ou qui a un effort en plus pour faire. Donc, il y a de même pour nous dans la vie chrétienne, hein? Nous avons des couronnes qui a préservé. Si je décide de dire, ah, tout à l'ancien, c'est à l'ancien, je vais aller dans l'ancien. Yes, je dois mener une vie comme ça, parce que je ne vais pas aller dans l'ancien. Mais si je dis que je vais appeler pour recevoir les couronnes de justice, couronnes de joie, couronnes de gloire, donc je vais faire fort en plus pour me faire.
Et c'est ça ici, chers frères et sœurs, l'idée de ce texte. Et dans le texte, ça, la première fois, dit que dans le coup, il y a plus de monde qui a couru. Mais c'est le seul monde qui a porté le prix. Bon, moi-même, avec vous, chers frères et sœurs, qui a couru dans cette course, nous pas dans la compétition l'une contre l'autre. Nous avons seul monde que nous avons en compétition pour nous vaincre, c'est Satan le diable. Moi, je dis pour nous ce matin, là, l'aime là, n'a pas servi mon Dieu, nous pas dans la compétition. Ok? Si nous compétition que nous avons la donne, c'est si moi, frère, pas marcher bien, ma baisse ma beauté pour me capable d'encourager. Donc, nous pas dans la compétition. Moi, je avec nous dans la compétition contre nous seuls. Satan, notre adversaire. Notre adversaire, c'est celle lui-même qui. C'est ça qui fait que. Je vais dire un bagage là, peut-être. L'on va servir mon Dieu bien. Ou pas dans la compétition, non, travail mon Dieu. L'on connaît tout ça en fait, c'est pour la gloire de Dieu. Ou pas dans la compétition. Ou pas dans la compétition. Parce qu'on connaît tout ça en fait, c'est pour la gloire de Dieu. Moi, je vais batterie bien pour la gloire de Dieu. Moi, je vais fixer mon computer bien pour la gloire de Dieu. Tout ça, c'est pour la gloire de Dieu. Et lorsque moi fais ça, lorsqu'on fait ça, frère, nous ne sommes pas engagés dans la compétition. Parce que nous avons Satan, notre adversaire. Il y a un gros lien, il y a un gros, qui ça? Un gros lion, un gros chien méchant. Alors, un gros lion méchant, là, il cherche et là, il veille. Pour moi, il y a une idée de compétition. La blague était tiso sous route là. Et au lieu pour y avoir un gars, je me fixer sous route là. Je vais regarder Zoa. Le gars de regarder. Je vais tomber. Et puis, vous ne pas arriver. Côté vous arriver. Est-ce que vous comprenez? Donc, vous connaissez que par les questions de compétition, par les questions d'influence, c'est une question de. On a fait tout ça pour la gloire de Dieu. Engagez-vous. Courir avec un motif supérieur. Supérieur. Deuxième aspect dans la course là, c'est pour courir avec un self-control, une maîtrise de soi. Attendez ça, l'apôtre Paul dit dans verset 25 là pour vous. Attendez ça, dit dans verset 25 là. Et nous, si nous déterminons pour moi, dans verset 25 là, il dit que tous ceux qui combattent qui ça s'imposent toute espèce d'abstinence. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Qui ça pourrait? Et ils le font qui ça pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. En d'autres termes, ça l'apôtre Paul a dit. Moi-même avec vous qui engagez nous dans cette course, nous devons qui ça pratiquer ça relais. Abstinence, gros mot créole pour abstinence, c'est camper loin. C'est camper loin. Parce que, frère, monsieur, lorsque vous êtes athlète, à engager dans la course, n'est-ce que vous avez des disciplines que vous avez tête. Vous avez des disciplines pour vous avez tête. Vous n'avez pas mangé n'importe quoi manger. Yo pas manger par c'est pas yo qui bien calculé, yo fait sûr que yo dormi, yo fait sûr que yo prend soin yo parce que yo a besoin cette endurance lorsque yo engagé dans course là pour yo capable remporter la victoire. Donc et attendez oui, Bible dit que yo fait pour ça pour une couronne corruptible. Yo bagaille qui a crasé, yo bagaille qui a brouillé, yo bagaille qui a perdu. Et il dit que nous-mêmes nous fait pour ça pour une couronne incorruptible. Oui, dit ton frère seul, si mon sa yo, qui a ton couronne, qui te comme que l'apôtre Pierre, il dit ça dans 1 Pierre chapitre 1er, verset 4, il dit que nous avons un héritage qui est vivant. Vous comprenez? Une couronne qui ne peut se souiller, qui pas flétrir. Vous comprenez? Donc, si que pour couronne, tu as fini, frère seul, mon sa yo mette koyo. Yo pas koyo tout ce genre de discipline. A combien plus forte raison? Moi, ma robe, qui est une couronne qui est corruptible, une couronne qui est sans défaut, une couronne qui est pure, une couronne qui a duré pour tout le temps. À combien plus forte raison, moi-même, avec vous, chers frères et sœurs, nous devons camper loin de toute bagaille qui est capable d'empêcher, moi-même, avec vous, atteindre plus ça. La haine, la jalousie, pour qui ça bagaille ça, yo? Hing hang, tout ça, c'est bagaille, chers frères et sœurs, qui a empêché, moi-même, avec vous, nous faire route là. Yes! Pendant que,
Et monsieur Sayo, dit moi que yo pas manger, yo pas manger en pile tu même là avec moi, yo pas manger en pile boy, vous comprenez bien, parce que yo veut pour tenir pour les gens. Donc moi avec mon chef et ses sœurs, pendant que nous dans cette course spirituelle, notre exercice nous, c'est la prière. C'est la lecture de la parole. C'est faire ce que nous avons une relation, comment relation mieux avec frère, avec ce moyen. Parce que nous gagnons Satan, nous gagnons ennemi qui a brodé autour de nous. Chers frères et sœurs, la maîtrise de soi, c'est élément essentiel à la victoire. C'est élément essentiel à la victoire. Parce que pas oublier que l'ennemi a essayé de faire tout ça capable. La voie est toute bagaille à nous-mêmes. Juste pour être capable dérouter nous pendant que nous en route ça. Pendant que l'ennemi, chers frères et sœurs, et la bévelé pour même avec. Parce que chers frères et sœurs, ce n'est pas Bali. Régime que le besoin. C'est quand nous garder la voie chère, la bévelé nous. Tandis que ça, et Galates 5, verset 17 dit. Il dit que la chair qui ça a des désirs contraires qui ça à l'esprit. Et l'esprit qui ça, en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux. Afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. La chair dit, oh, je dis à pas dans l'étude là, ou fatigué. La chair dit, ah, ou fatigué. Ou se fait 8 heures de temps, rester la carrière ou regarder la télévision. C'est ça la chair dit, oui. Parce que le ministre esprit qui ça, contraire qui ça. Des désirs contraires à ceux de l'esprit. C'est ça fait frère sœur. Pendant que nous engagés dans tout ça, c'est pas au couche que nous capables d'entamer avec une attitude, un monde qui m'en fout bien. Non, c'est le monde où tu es toujours à la balle, où tu es toujours sous poste. Donc c'est pour capable de dans tout ça, fuir la haine, fuir le manque de pardon, chers frères et sœurs, fuir l'envie. Fuis amertume. Bagay tikitika ou vle dévorer. Bagay tikitika ou vle dévorer ça, chers frères et sœurs. Donc tout ça, c'est bagay. Nous ne pensons que ce sont des choses simples. Mais tout ça, c'est bagay pour dérouter nous sur route là. Parce que côté qui bagay la communion, côté qui bagay fellowship, côté qui bagay l'amour, qui ça, c'est la haine. C'est l'amertume, c'est rancune qui a pris place. Donc l'apôtre Paul lui dit que moi-même affaire pour qui n'en coûte ça, nous devons abstenir nous devons camper loin de toute bagaille, frère et soeur, qui est capable d'empêcher que moi-même affaire pour nous gagner, prix pour ça. Et nous l'autre, que nous jouons encore dans verset 26 là, nous devons courir avec certitude, courir sans distraction. On nous regarde ça, verset 26 là, il dit, moi donc, je cours non pas comme à l'aventure. Je frappe, non, pas comme battant l'air. Moi, mais version créole là. Si vous avez mis la version créole là pour moi, dans verset 6, dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 26. Bon, moi, si vous avez mis la version créole là, en pile. Tenez ça, dit pour moi, dans verset créole là. Il dit, 1 Corinthiens chapitre 9, verset 26. Tenez ça, dit. C'est peut-être ça. Moun, c'est peut-être ça m'a couru, mais j'aime pas sortir sous côté pour me river là. Moi tant pour un homme t'a tiré coup de poing. Mais moi pas tant pour moun t'a goumé à l'ombrage. Donc chers frères et sœurs, pendant que vous n'en pousse ça, ou pas ta dans distraction. Dieu a donc été fixé sur le but. Et c'est ça que nous jouons dans Hébreu chapitre 12. Hébreu chapitre 12. On nous lit Hébreu chapitre 12, verset 1er. Lisons que nous donc, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Et courons avec bizarre persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Dans le samedi, ayant les regards fixé sur Christ. Dans tout cela, Dieu nous doit fixer sur Christ. Dans tout cela, Dieu nous doit fixer sur récompense qui attend nous. Parce que Satan, chers frères et sœurs, si que nous pas faire avec une certitude, sans distraction, comme on a dit ça, Satan l'a mette toute distraction sous chemin qui vous dérouter nous. C'est ça que fait, frère et sœur. Si moi et ma rêve, nous pas prendre précaution,
C'est qu'elle regarde tout le paquet de bagailles que nous est inutile. Vous comprenez? Que nous est inutile. C'est regarder. Bagailles, ça y a presque tout le temps de nous. Il y a presque tout le temps pour nous passer. Dans un moment de dévotion, dans un moment de communion avec le Seigneur, oui. Ah, je connais, en pile fois, chers frères et sœurs, l'aime lever le matin. Premier bagage, moi, c'est un téléphone dans moi, soit ma WhatsApp ou bien ça, soit je regarde qui est une vidéo que vous voyez pour moi, oui. Tant pour m'apprendre, un temps de dévotion, hein, laisse me prendre temps, m'appeler aussi le bagage, vous comprenez, qui est capable utile, mais dans un moment ça, moi, t'as voulu consacrer tant ça. Ah Seigneur, tant que moi je cherche présence. Donc tout ça, on ne pas dit que pas bon non, mais c'est tout ça aussi que nous ne pas contrôler, si que nous ne pas maîtriser, qui est capable d'empiéter sur relation, sur moment de dévotion nous, avec Seigneur. Et c'est ça que l'apôtre que l'épître de Paul aux Hébreux dit. Il dit que ayant les regards fixés sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée a souffert, la croix maîtrisée, ainsi de suite. Donc, nous devons engager nous dans tout cela, nous devons aller avec certitude. C'est que nous ne pas quitter aucune distraction, aucune, chers frères et sœurs, distrait-nous de cette course. Et l'arrivée dans verset 27 là, l'apôtre Paul lui dit au bagage ici. Tenez ça dit pour dans 1 Corinthiens, chapitre 9. Verset 27. Alors, nous n'avons pas commencé dans verset 26. Là, il dit, mais je traite. Verset 27, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Ça n'a pas rien pour le voir avec la première Paul qui dit que la traite Paul pour ta paix du salut. Il n'a pas oublié. N'a pas parlé ici de récompense. Ça que le livre dit, donc, il traite Paul bien dur. Lui mener col dur, lui courir avec civilité, avec en civilité. Lui traiter Paul comme un esclave. Vous comprenez? Comme un esclave, afin que pour faire ce que pour capable marcher dans la route là. Pour la ville, c'est la ville qui fait mon Dieu plaisir. La vie moi, là vous frères sœurs, lui doit nous témoignage. Donc moi doit traiter comme durement afin que lorsque le monde vient là, l'autre sous chair la prêcher pour dire ah c'est malin même sujet à mon chien pas même garder. Au bas donc le thème c'est ça que l'apôtre Paul livre ici. Donc moi même avec vos chers frères et sœurs qui encouragent, qui engagent dans tout ça, nous devons faire sûr que la vie nous avons une vie qui une vie de contrôle, une vie de maîtrise de soi, pour que rien, absolument rien, pas dévier nous sur route là. Nous devons courir avec du motif supérieur, nous devons courir avec maîtrise de soi. Nous devons courir avec une certitude, sans que nous ne pas distraits pendant que nous n'en poussons là. Et aussi nous devons faire sûr pour ne pas disqualifier. Et quel est le résultat de cette course? Nous jouons dans verset 25 ans. Pour moi, avec vous, pour nous obtenir une couronne qui est incorruptible. Maintenant, dans quelques secondes, dans quelques minutes que je viens avec vous, je vais vous apprendre pour vous réfléchir. Pour vous dire comment je suis dans la course. Dans la course que je suis engagé. Comment la vie. Est-ce que je suis couru avec un monde que l'attitude de Dieu, au moment qu'il ne s'agit, comme s'il s'agit de rien d'être. Vous comprenez? Est-ce que c'est un monde qui a une attitude m'en foutre? Ou du moins, est-ce que c'est un monde qui connaît que ou bien au côté que vous avez arrivé? Moi-même, je voulais. Pour moi arriver dans le ciel là. Les moins arriver, je parle de pousser mon qui pour juste faire un petit billet pour me passer classe là. Moi voulais pour moi faire un point en plus. Pour moi faire une plus grande note. Afin que les moins arriver, non seulement pour me capable recevoir bienvenue, bon et fidèle serviteur, mais aussi pour me capable recevoir récompense qui est réservée pour moi. Pour obtenir une couronne incorruptible. Dans les mains, terminer message moi avec cette illustration. Gagnez un marathon qui t'a fait dans la ville de Mexico. Côté que gagnez différents coureurs qui viennent représenter le pays. Pendant que vous êtes dans la course là, vous gagnez autant de temps à bien qui est Joseph Stephen Aquari.
Pendant que nous avons cours là, donc chaque monde arrivé, il a traversé l'île finissant là, nous avons recevoir en récompense ou bien médaille ou bien n'importe quoi salaire pour le pays que vous avez présenté. Mais pendant que le stade là commence à vide, on peut nous parler. Mais il y a que il y a une sirène qui est venue, une ambulance qui est venue. Moun yo avec en pile attention, y a regardé qui sa sirène ça dit. C'est là yo paraît, yo wè que pendant sirène c'est pardon et Joseph pendant que tu sous en Stéphane, pendant que tu sous route là, dans course là, monsieur tombé. L'a tombé, il gen genou droit li qui baigné avec sang, mais il pas ka courir à vitesse que moun yo a couru encore. Mon collègue est dans la chaque monde a couru à représenter le pays. Sous tombé, je parlais, quelque chose à parler, je m'avais passé, je m'avais occupé. Tout le monde fait la net. Mais c'est là, monsieur en bilancio, qui était derrière, il y a monsieur qui levait ta boîte. Il y a pris monsieur, il y a pris avec monsieur. Alors, il y a suivi monsieur. Pendant qu'il y a suivi monsieur, mais il y a couru avec lui, de sorte que pour que monsieur ne pas tomber. Monsieur, tout boîte, il a couru. Il a couru avec tout sang. Avec tout ça dans le genou. Mais t'as quelques journalistes, quelques spectateurs qui partent pour aller, ils auraient été pour attendre qui ça qui arrivait. C'est là où regardé, ils voient que c'est M. Stéphane, pendant que tout genou le bien avec ça, mais la courir pour être capable d'arriver, pour capable arriver dans l'infini sans plan. L'infini traversé, tout journaliste sur à côté, lui a dit, mais pour cela fini. Monsieur dit, oui, pour cela fini. Il m'a dit, qui ça t'est passé? Il dit que pendant que je suis là, ma couille m'a tombé, genou m'a blessé, m'a pas levé pour me courir dans la même vitesse avec mon yo. Mais il dit, bon, pour ça fait que vous ne pouvez pas abandonner. Monsieur dit, non, raison qui fait que je ne peux pas abandonner dans la course là. Pays, pas de voir dans la course là pour me commencer. Mais pays, il te voyait non seulement pour me commencer, mais aussi pour me finir la course là. Donc, chers frères et sœurs, moi-même avec vous, dans la course que nous avons, nous partons pour commencer. Nous commençons et puis nous devons finir la course là. Et puis en 2008, nous avons fait notre jeu olympique encore. Donc, c'est lui-même qui a représenté par pays, nous avons pour des torches. Pays, nous avons pas pour des torches. Course là, laisse ça en 2018. Donc, leçon que nous tirons dans ça. Donc, moi-même avec vous, chers frères et sœurs, nous avons joué dans pile difficulté pendant que nous avons servi mon Dieu. Pendant que nous avons poussé là, nous avons joué dans pile difficulté. Pas étonné, ou avec difficulté dans mes mounes pour ne pas même espérer. Ou avec difficulté dans mes gros leaders, dans mes tout le monde que vous dépensez. Mais, moi, je vais vous matin, quel que soit le sort, je vais sous pousse là. Pas décourager. Continuez dans la course là. Parce que vous connaissez que vous n'êtes pas rentré dans la course là pour commencer. Mais vous êtes rentré pour commencer et pour finir. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu accompagne, que bon Dieu protège. Amen.